Il existe en effet des métiers interdits quand on est épileptique. Donc quelques exemples, travailler dans la gendarmerie, la police nationale, être militaire ou alors conducteur de transport en commun, pompier professionnel. Et puis, il existe des métiers qui sont déconseillés, notamment si on fait toujours des crises d'épilepsie avec rupture de contact, c'est notamment le travail en hauteur ou avec des machines dangereuses. Mais en tout cas, dans la grande majorité des cas, les patients peuvent mener une vie professionnelle normale. Alors, il n'y a aucune obligation d'en parler à son employeur. Il peut être parfois nécessaire d'en parler au médecin du travail qui peut parfois vous aider à adapter votre poste ou vos horaires. Et puis, il y a également la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, dont on peut faire la demande, qui peut parfois aider au travail.